Les capsules d'ici et d'ailleurs sont réalisées dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs en collaboration avec la ville de Vaudreuil-Dorion. Nous remercions nos partenaires, dont le Centre d'aide et d'accompagnement en défense de droits pour les personnes de 50 ans et plus et leurs proches, et de la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols. Ils sont d'ici et d'ailleurs, de nulle part et certainement de quelque part. Ils n'ont pas choisi leur origine, ils n'ont pas choisi la couleur de leur peau. Pourtant, ils ont choisi d'amener dans leur bagage fierté et dignité, valeur et culture, courage et résilience, souvenir et nostalgie. Juste pour un summer love, non, non, il n'y a pas d'âge. Comme ça manque tes doigts sur ma peau, caresse dans le dos, j'étais ton beau brun. Toi et moi, sur le sable, un partage. Toi et moi, face au vague en voyage. Tes mots doux, j'en ai besoin. Tes bisous, j'en ai besoin. Aujourd'hui, je vais rencontrer Neila, l'initiatrice de la marche qui a eu lieu à Vaudreuil le 13 juin. Une marche qui a fait jaser. Allô, Neila! Comment ça va? Ça va. Écoute, je m'excuse de te déranger. Non, tu ne me déranges pas du tout. À l'occasion du mois de l'Histoire des Noirs, on organise un événement. Ouais. Et cet événement ne peut avoir lieu sans avoir et sans jaser avec toi en ce qui concerne tes motivations. Pourquoi tu as organisé cette marche en juin dernier à Vaudreuil, qui a fait jaser et qu'on en jase toujours d'ailleurs? Ouais. Il y a tellement de causes. Pourquoi as-tu choisi cette cause-là? Si je ne m'abuse, tu es algérienne musulmane. Ouais. Donc, parle-nous-en. Ben, merci beaucoup, Nathalie Hermé, d'avoir pensé à moi. Ça me fait vraiment plaisir de faire partie de cette émission. Je voulais juste d'abord que les gens soient sensibilisés à la cause. Pour moi, c'est important de communiquer sa différence et d'être fier de ses origines. Comme tu viens de me dire, je suis d'origine algérienne. J'ai beaucoup d'amis qui sont d'origine de différents pays. Puis, ultimement, ici, on est tous des immigrants. Et on fait tous partie de cette société et on doit tous la faire fonctionner. Donc, c'était vraiment important pour moi de ramener la communauté ensemble puis de sensibiliser les gens à ces causes qui nous touchent tous. Donc, c'est vraiment important de juste parler aux gens à côté de nous. Puis c'est important pour les gens de dénoncer quand des inégalités arrivent à ton voisin ou à ton ami. Donc, c'est important pour moi de faire cette marche juste pour que la communauté à Vaudreuil vienne ensemble. Moi, j'habite dans une ville multiculturelle, dans une province multiculturelle qui devrait en être fière. Et ça m'a vraiment fait plaisir de faire ça. Puis je sais que ça a touché beaucoup de personnes. La solidarité, c'est important. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont venues dire merci. Puis je suis contente que ça a vraiment touché les gens de tous les âges aussi dans la ville de Vaudreuil. Merci beaucoup, Neila. Merci. Et écoute, je te laisse continuer ton café. Oui, on t'est. Courage, fierté, force, beauté, énergie, culture, art, sport, éducation, santé. Le mois de l'Histoire des Noirs nous appelle à la solidarité et à la célébration de la diaspora africaine. Un moyen de témoigner de la gratitude envers les communautés afro pour le rôle tant important qu'elles ont joué et continuent de jouer dans le développement du Canada. Oui, pour moi, c'était plus le climat. Pour moi, c'est le joual, le français du Québec. OK, pour moi, c'est le changement de tempérament rapide des gens. Pour moi, c'est le concept de se sentir intégré, intégration. Et on se dit à bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Juste pour un summer love, non, non, il n'y a pas d'âge. Comme ça manque tes doigts sur ma peau, caresse dans le dos, j'étais ton beau brun. Toi et moi, sur le sable, un partage. Toi et moi, face aux vagues en voyage, tes mots doux, j'en ai besoin.